clairement. De toute façon, voilà, Paris, c'est une équipe offensive. Enfin, une équipe qui défend très très bien, mais c'est une équipe offensive. Et contre ce genre d'équipe, si tu les laisses prendre confiance, les écarts sont vite faits. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que quand on se prend des rushs comme ça, quand on prend plusieurs paniers d'affilée, je dirais pas qu'on baisse les bras, mais l'intensité, elle disparaît, quoi. Et on attend un sauveur, or, ça n'existe pas, quoi. Je pense que c'est assez évident que cette qualification pour le top 7 de l'Eurocup, pardon, elle nous a fait mal. Mais voilà, on a le groupe, on a l'expérience pour se reprendre. C'est pas normal qu'on passe à côté de nos objectifs les uns après les autres, et si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Il va falloir rebondir tout de suite, c'est peut-être une chance de ne pas avoir le temps de réfléchir plus que ça. Mais il va falloir se reprendre, parce qu'aller gagner à Poitiers, c'est pas chose facile. Ça va être dur, il va falloir défendre, quoi, tout simplement. Pour nous, ça s'arrête là. Voilà, 94 points à domicile. Contre une équipe qui en met en moyenne 84, qui est la meilleure attaque du championnat. Tout est dit, je veux dire, nous voilà, on est 82 points, c'est bien. Maintenant, si on les avait tenus comme l'objectif c'était voilà, de faire les 70 points. Si on avait fait ça, on aurait eu une chance. On n'a pas fait, voilà.